Bonjour, bonjour, hello, hello. Je vous fais une petite vidéo ce matin parce que j'avais envie de vous présenter ça. Attendez, je trouve que je ne suis pas très bien cadrée. Voilà, c'est mieux. Je suis abonnée à ce magazine, Daphné's Diary. C'est un magazine anglais. Je me suis abonnée l'année dernière, j'ai déjà reçu toute une année, et là je me suis réabonnée parce que je voulais vous montrer la qualité des illustrations de ce bouquin. Il est absolument divin et c'est là-dessus que je prends la plupart de mes inspirations. En tous les cas, je prends la plupart des images. Je trouve que il est pour une scrapeuse, il est plein d'idées. Pour quelqu'un qui bricole, il est plein d'idées. Et j'en suis fan. Je suis vraiment, vraiment fan. Alors, ce mois-ci, voilà l'illustration de la première page, et je vais vous montrer tout de suite l'illustration de la page du verso du magazine qui est mais c'est tout simplement splendide. Alors je fais des photocopies hein, pour garder les originaux parce qu'on peut toujours en avoir besoin et je m'amuse avec ça. Voilà, donc toutes les pages sont sur le même le même design et la même qualité. Voilà, donc c'est pas très bien cadré je trouve, mais j'ai du mal avec mon pied de support. Donc voilà, alors il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses à prendre. Regardez-moi ça, les belles illustrations qu'il y a. Alors, je vais passer quand même assez rapidement. Après, il y a toujours un reportage sur une ville. Cette fois, c'est Les Pouilles. Les Pouilles, ça se trouve en Italie. Voilà. Voilà. Regardez ça. Alors, chaque page a des illustrations, des petites images, des lanternes, plein de choses qu'on peut prendre. Il y a aussi des recettes de cuisine. Il y a des idées. Alors là, ce mois-ci, c'est pour faire un papillon avec du petit fil de fer et du tulle. Voilà, il y a les explications de l'autre côté. Il y a des poèmes. Là, c'est l'été. C'est vraiment. Puis alors l'illustration à côté. Que vous dire? Que vous dire? Je suis complètement accro à ce magazine. Alors il y a Flo qui est aussi un petit peu dans le même modèle, mais Daphné, je trouve qu'il a encore plus d'illustrations belles. Et ici, tout ça, c'est à découper. Voilà. Donc, on a deux ananas pour mettre recto verso, pour faire des paperclips, pour faire des onglets pour les junk ou pour un bullet journal, par exemple. Là, pour l'été, regardez les lunettes de soleil, les coquilles Saint-Jacques, les ballons de plage. Donc, tout ça, c'est à découper. Voilà. Là, les succulentes. Ici, votre pays de vacances, ce que ça signifie, que le pays que vous choisissez, votre pays de prédilection, elle nous met ce que ça indique sur notre personnalité. Voilà. Et ici, c'est pareil, c'est à découper, à replier en deux, et ça fait des petits onglets. Ou alors, ça fait un pendentif, comme ça, comment on appelle ça, un mobile pour suspendre. Mais moi, je vais le détourner, je ne vais pas faire un mobile. Hein. Donc, voilà. Il y a des pages entières. Donc, on peut prendre la page entière pour mettre dans les junk, par exemple. C'est vraiment très, très beau. D'ailleurs, Chris me demandait où est-ce que je prenais mes illustrations, comme ça. Et voilà, elle a la réponse. C'est là-dedans que je prends la plupart de mes pages d'illustration quand je fais un junk.
Voilà, je continue parce que je ne veux pas vous barber toutes mes. Je voulais juste vous montrer ça. Regardez ça. Regardez ça. Là, des petits autocollants sur toutes les villes d'Europe. Voilà. Qu'on peut mettre dans le bullet. Là, des couleurs. Alors, ça, c'est chez une dame. La dame nous montre qu'elle a choisi un total color chez elle. Donc, y a, regardez cette étagère. Comment c'est beau. Magnifique. Voilà. Je passe, je passe, je passe. Là, on a. Une petite page détachable, il faut la colorier, il y a des numéros, vous les voyez pas parce que c'est un peu tout petit, je sais pas si ça se voit. Voilà, il y a des numéros, il faut colorier et il apparaît un dessin. Donc cette page, eh ben, on peut la mettre et puis ça peut faire un petit jeu dans le junk. Voilà. Alors, c'est avec du bleu comme ça, quand on fait un thème bleu, il y a des couleurs, ça ressort bien. Bon, la plage pour l'été, là on va pouvoir faire des choses avec la plage, le jardin, ça aussi il y en a toutes les tous les mois. Et là, elle met tout le temps un petit livret. Et ce petit livret, cette fois-ci, d'habitude c'est un livret, c'est plutôt un bloc-notes, un petit livret où on peut écrire. En bloc-notes. Et là, elle a mis des traductions pour se faire comprendre dans différentes langues. On a l'anglais, l'allemand, le portugais, l'italien et l'espagnol. Voilà. Et elle nous met toutes les choses indispensables quand on arrive dans un pays et qu'on voudrait manger, boire, dormir, enfin toutes les choses indispensables. Voilà. Ensuite, voilà, toujours des illustrations, des pages avec. Y a aussi des écritures différentes dans ce magazine. Et ça, c'est très très bien. La calligraphie. Là, une double page avec des papillons, des fleurs. C'est splendide. Des idées extraordinaires pour mettre chez vous. Regardez, superposer des petites tables, ça vous fait comme un meuble. Il y en a un autre qui est encore plus parlant, celui-ci. Voilà. Regardez ça, ces idées. Voilà. Les recettes de cuisine que l'on peut découper. Les lunettes qui sont des die-cuts, en fait. Donc on peut les enlever pour faire ça. Voilà. Je vais en avoir fini. Il y a toujours des pages entières, des écritures, des pages entières pour faire des fonds. C'est splendide. Regardez. Hop. Elle met toujours pour apprendre à dessiner aussi. Voilà. Et là, c'est à découper, c'est des marque-pages. Donc, on peut les détourner aussi, évidemment. Mais on peut utiliser plein de choses dans ce livre qui sont des feuilles détachables. Et voilà. Donc j'en ai fini avec Daphné Diaries. Je ne suis pas sponsorisée hein, pour vous présenter Daphné, mais je l'aime tellement que je voulais vous faire partager ça. Je vais sans doute faire d'ici peu une petite vidéo sur un tuto. Je vais essayer de faire un tuto. Je ne suis pas du tout sûre que ça vous intéresse jusqu'au bout parce que comme je ne sais pas encore trop faire les montages vidéo et tout ça, je suis un peu gourde là-dessus. Donc j'attends que mon neveu vienne me montrer quelques petites techniques et astuces pour aller plus vite. Mais bon, je vais essayer de vous faire un tuto assez rapide de façon à ce que ça vous barbe pas trop. Et je vais essayer ça. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je remercie toutes les abonnées qui se sont intéressées à ma chaîne depuis 3 jours, depuis que Chris a présenté, depuis que Chris Color a présenté mon junk, depuis que Instant Papyrus Dominique a présenté mon envoi pour son concours. Je les remercie toutes les deux énormément. Marie Callac, évidemment, qui a été la première, elle, à parler de moi. Franchement,
Si vous saviez comme je suis touchée, j'ai eu 20 abonnés en une journée et je ne pensais pas que ça pouvait arriver. Donc on va attendre un petit peu avant de s'emballer, mais je suis ravie. Donc je vous remercie toutes et puis à bientôt, très bientôt, pour une prochaine vidéo. Bonne journée, bon dimanche à tout le monde et à bientôt!